Alors, nous allons réaliser un œuf dur. Facile, pensez-vous? Peut-être pas tant que ça. Il faut en fait connaître des petites règles simples pour les réussir à la perfection. Tout d'abord, la règle du 3-6-9. Pour un œuf coq, on cuit pendant 3 minutes. Pour un œuf mollet, on cuit pendant 6 minutes. Et pour un œuf dur, pendant 9 minutes. Alors, on démarrera avec de l'eau déjà bouillante. Donc là, on attend un petit peu. On ne démarre pas à froid pour compter les 9 minutes. Et inutile de rajouter quoi que ce soit dans l'eau. Pas de sel, pas de vinaigre. L'eau est à présent à ébullition. Donc on va déjà ramener à plus petit bouillon. En effet, l'œuf doit cuire à petit bouillon pour éviter qu'il ne se casse. Et toujours dans la même optique, on utilise une cuillère. On met l'œuf dedans. Et on dépose doucement dans l'eau. Il ne nous reste qu'à patienter pendant 9 minutes. Voilà, notre œuf est cuit. Nous allons maintenant le sortir de l'eau et le mettre tout de suite dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. On a bien pris soin de prendre un œuf qui est resté au moins une heure en dehors du réfrigérateur avant de le cuire pour ne pas créer de choc thermique et éviter que la coquille se fendille. Alors à présent, comment écaler un œuf dur? Tout d'abord, on va commencer à le rouler sur une surface plane pour nous aider un peu. Et ensuite, on les cale dans l'eau, c'est plus facile. Et voilà notre œuf parfaitement écalé en quelques secondes. On peut se régaler tout simplement avec cet œuf dur et un peu de mayonnaise par exemple.